Mais comment ça, c'est dur? Mais c'est ce que tu venais de faire. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, moi, c'est ma sœur. Pas. Fais-le bien, allez, c'est comme ça qu'on fait. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Pourquoi me frappes-tu à la tête? Désolé. Allez, désolé. Si, lâche-moi, ta mère fait. Désolé. Allez, désolé. S'il te plaît. Pardonne-moi, sinon je t'arrache cette perruque. Lâche-moi, Dimitri. Hein? Bébé Rosa. Rosa, moi, ok. Rosa. Roro. Hé, bébé. Ia, iyo. Oh, guérite. Ma soeur. Dis, tu rayonnes. Qu'est-ce que tu es rayonnante? Tu es vraiment belle. Hey, ma soeur a une perruque naturelle, oh. Hey. C'est Osaï. Je suis allée le remercier pour ce qu'il a fait à maman. Puis il a décidé de m'amener faire du shopping, alors j'ai choisi celui-ci. Meuf, ce mec n'a Dieu que pour toi, oh. Il est vraiment fou de toi. Hey. Ebere, je te présente mon pote Odike. Odogo Dike. On se connaît depuis la ville. Dike. Je te présente... Je la connais, Ibéré. N'est-ce pas, Ibéré? Si tu savais comme cette fille se prend la tête, si tu savais comment elle me traitait, chaque fois que je lui demandais d'être ma copine, elle disait non. Elle se prenait pour la reine du monde, la seule sur Terre. Elle est la seule, la plus belle de ce village. Donc comme ça, c'est à cause de ce mec que tu m'ignores. Attends, écoute, laisse-moi te demander. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Si tu me connaissais, penses-tu que tu... Dike, je n'ai pas le temps pour tes longs discours. Rosa, rentre vite, j'ai beaucoup de choses à te dire. Ma soeur chérie, j'arrive, je suis même déjà à la maison avant toi. Je dois te raconter. Oh, genege. Iya iyo. Donc, ce mec a transformé la vie de ma soeur juste comme ça, oh. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Désolé, écoute, attends. C'est ta sœur dont tu m'as parlé. Tu vois maintenant ce que j'endure dans cette maison. Hey, elle est vraiment insupportable. Hein? Si tu voyais ce que cette fille me fait tout le temps, elle me traite comme du n'importe quoi. Et elle ne sait même pas qui je suis. Hein? Pourquoi me traite-t-elle de la sorte, moi? Dike, un étudiant en ingénierie. Elle me fait des manières, tu as vu comment les filles me courent après. J'ai décidé de me battre avec elle. Elle veut juste se faire belle. Du genre, c'est elle la plus belle. N'importe quoi. En fait, dis-moi, son petit ami, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Rosa, pourquoi tu souris? C'est comme ça que la folie commence, Rosa. Rosa!
Mon amour, tu me manques tellement. Tu me manques de tout mon être et de tout mon intestin. Quoi? La digestion? Faut pas que tu t'inquiètes pour ce que je mange ou c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de ça. Oui. Et alors, quand est-ce que tu rentres, Mbok? Pardon, donne-moi mon téléphone. Donne-moi. 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 Ah ah. Non, ton idiot de copain ne peut pas te rappeler. Je ne sais pas depuis quand mon téléphone est devenu un téléphone public que tout le monde utilise pour appeler ses sales petits amis. Je demande à Rosa. C'est quoi ce genre d'embarras maintenant? Si tu ne veux pas que j'utilise ton crédit, un crédit que le réseau t'a donné gratuitement comme bonus parce que tu ne l'as même pas acheté, un crédit que tu n'as même pas dépensé un seul sou, si tu ne voulais pas que je l'utilise pour passer l'appel, c'est quoi ce genre d'embarras? Tu m'as presque arraché l'oreille. Ce n'est pas de ta faute. Non, c'est pas de ta faute. Rosa, c'est pas de ta faute. Je me blâme d'avoir utilisé ton bête et pourri téléphone qui n'est pourri même pas un téléphone iPhone. Pourri téléphone, toi-même. C'est pourri, pourquoi tu n'achètes pas un? Dis à ton gars qui t'achète un, non? C'est un bête téléphone. Bête et pourri. Tu penses que c'est un bête téléphone Nokia que je tiens? Tu m'insultes comme si tu utilisais même un iPhone. Ça, c'est un simple téléphone. Ce n'est même pas un Android. C'est parce que tu l'as couvert avec la pochette qu'il allait d'être un grand téléphone. Laisse-moi te dire un truc. Aujourd'hui est la dernière fois que tu me verras mettre mes deux pieds ici chez toi. Oui, je ne suis plus intéressée par cette amitié. Mabasi, Akweni. Donc, tu penses que ça m'enchante de me faire voir avec une vieille poule comme toi? Ou tu penses que je vais pleurer que... Oh, Cynthia me quitte. T'es malade dans ta tête. T'es de ma classe? Non, regarde-moi bien. T'es la tête aux pieds. Allez, fiche-moi le compte d'ici. Je ne veux même pas faire partie de ta classe. Dégage. Je ne veux même pas. Depuis qu'on se connaît, tu as changé, tu n'as même pas évolué. Regarde-moi cette bonne villageoise que je vais changer la vie. Oh, diable avec toutes ces bêtises. Regarde ce qu'elle porte. Tiaï, Rosa, tu souffres. Ce n'est pas de ta faute. Mais qui sait encore? Allô, Mazi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je ne viens pas haut. À chaque fois que je viens, tu me donnes 2500. Qu'est-ce que 2500 peut bien me faire? C'est pour faire ma coiffure ou c'est pour faire mes ongles? Hein? Chaque fois que je viens, tu prends 2500 et tu me donnes. Basé sur quoi, genre? Comment? J'ai dépassé ce niveau. Pardon, ne m'appelle plus haut. Ah ah! Mais c'est quoi tout ça? De la poisse partout! Je viens pour que tu me donnes 2500. Pour faire quoi? Vous êtes tous malades! Ça fait 1-0, tu le sais, n'est-ce pas? Quand j'aurai fini avec toi. Mais t'inquiète pas! Ne t'inquiète pas, ceci. C'est pas le genre qu'on joue en vilo. Laisse-moi t'apprendre le jeu. Allez, joue. Ouais. Tu veux m'apprendre le jeu? Allez, ramasse-le. Ramasse, pas de ça ici, ramasse. Oh, tu veux pas aller là, Rosa. Eh bien, je veux bien manger, oh, mais nous sommes en plein jeu et je suis en train de battre Tiki, je vais gagner. Vous devez manger avant que cette nourriture ne se refroidisse. Je dois laver mes assiettes. Attends, pas de soucis. Dépose ça, ok? Non. Ne t'inquiète pas. Ok, bon appétit. Non. Hey, où est-ce que tu vas? Allez, viens manger la nourriture avec nous. Non, mes plats sont encore sales. Je dois aller les laver. Ah, viens manger, viens. Viens d'abord. Tu connais ma soeur, c'est une attente. Elle adore travailler. Oui. Viens t'asseoir. Je n'ai pas gardé mes assiettes sales, tu le sais. Ah, les assiettes? Ce ne sont que des assiettes, je peux le faire. Viens t'asseoir, non? Ezigomado. Assieds-toi. Tes assiettes, c'est quoi, non? Je t'ai dit que ma sœur, c'est une vraie battante. Oui, bien sûr. Ezigomado, la petite bombe. Allez discuter, ok? Parlez, je vais chercher ma chaise et venir manger avec vous. Ok. Vous pouvez parler. Hey! C'est pas
par les narines. Je te jure, je ne savais pas que t'étais aussi drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Drôle, ça peut dire. Ce gars est un vrai comédien. Ça me rappelle quand nous étions en ville, ma chérie. Ce gars bavardait tellement. J'ai failli me pisser dessus. Je te dis, je me demande pourquoi il n'a pas fait une école du monde. Ne t'inquiète pas. À ce moment, tu me payeras pour que je te fasse rire. Et puis, toi spécialement, tu me donneras le chèque et béret. Dicky, laisse-moi te dire quelque chose. Même si tu deviens la plus grande superstar, numéro 1 du monde entier, tu resteras mon gars. Qu'as-tu dit? Comment ça, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la partie du gars que t'as pas compris? The enemy, they will far away. I so tell me who to be trusted and who to attack the enemy. I or you are not losing the boy. This is reality. Trust nobody at all. My cousin did not do not tell us just the enemy with you. This is reality. Don't you trust? Oui. Ah. Oui. Merci, merci. Je t'en prie. C'est ici que tu veux la mettre? Hein? Oui. Ok, laisse-moi le faire pour toi. Merci. Hein? Dicky, merci beaucoup. Je t'en prie. Attends, écoute. Après ceci, je vais aller puiser un autre. Ceci ne suffira pas non, pour non, nous non, tous. Non, 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 ça suffit. Tu m'as déjà beaucoup aidé aujourd'hui. Je vais appeler Rosa pour qu'ensemble on aille puiser de l'eau. Écoute, je suis libre aujourd'hui. Je n'ai rien à faire, donc j'irai puiser de l'eau. Aujourd'hui, c'est ton jour. Merci, Dick. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci. Allons-y. Non, 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 non. Écoute, reste ici. Je vais aller puiser. Ah. Oui, je vais puiser de l'eau. Et tu sais qu'il fait très chaud. Je ne veux surtout pas que le soleil abîme ta peau. Ah. Hein? Tu vas rester ici. Je vais puiser de l'eau et je reviens. Comme un domestique ou quoi? Si tu m'aides à puiser de l'eau, la moindre chose que je puisse faire, c'est de t'accompagner. Ou si tu ne veux pas le faire, alors laisse-moi. Tu n'es pas mon domestique, ouais. C'est bizarre. Tu insistes? Oui. Ok, d'accord, je vais prendre ça pour couvrir ton corps, pour que le soleil ne te touche pas. Ah. Attends, laisse-moi te couvrir. Allez, laisse-moi te couvrir. Ah. Ok, allons-y. Allons-y. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Finalement, tu as de la chance. Il n'y a plus le soleil, comme je t'ai dit. Tu es contente? Oui. Attends, recule, recule. Allez, recule, fais attention. Fais attention. Salut, Jerry. Salut, chérie. J'étais en route pour chez toi. Nous le sommes aussi. Oh, vraiment? Et qui est-ce? Ah, c'est mon ami Dick. Dick est mon petit ami. Dans ce cas, vous pouvez entrer, que je vous dépose à la maison. Allez, tu viens, on y va. Hein? Entrez, ouais. Non, écoute, je n'entre pas dans cette voiture. Je n'entre pas dans cette voiture, j'ai ma propre voiture. Je t'aiderai à le mettre dans la voiture. Oui, je vais rentrer. Laisse-moi t'aider. Je le mets ici. Hein? Bébé? Mais, s'il te plaît, ouvre. Thank you.
Héberée, mais arrête. Je te respecte de ne pas inquiéter. Respecte-toi. Quand tu viens chez moi, tu fais pratiquement toutes les tâches ménagères. Mais tu me connais bien. Je suis très douée pour ça. Laisse-moi. Toi, la fille ici. Ouais. Et voilà la plus belle. Élégante. Gentille. En fait, la plus jolie de notre village. Ma chérie, comment tu vas? Je vais bien, mais Dike, qu'est-ce que tu fais là? Et comment as-tu su que j'étais ici? Cette question, je vais la répondre un autre jour. Nkachi, comment tu vas? Oh, s'il te plaît. Comment peux-tu venir chez moi sans prévenir? Et si mon père était là? Désolé, je suis désolé. Ebi, je t'ai apporté des anciennes preuves. Les questions et réponses, tout est là. Ah, comment es-tu au courant des matières que je dois valider? Merci, mais t'aurais pas dû te déranger pour ça. Et pourquoi ne pas me donner ce mal? C'est pourtant à ça que servent les amis. Hein? Allez, prends-les et étudie-les bien, ok? Ouais. Merci. Allez, étudie-les très très bien. Je le ferai. Puisque tu as remis ton cadeau, peux-tu y aller maintenant? S'il te plaît, va-t'en. Parce que si mon père entre et te voit ici, ça n'aura rien de drôle. Tu ne vas pas te marier, hein? Vas-tu rester chez ton père pour toujours? De quoi je si me tu mêle? Tu continues de chasser les hommes qui viennent chez ton père. Comment vas-tu te marier? Ebi, je te verrai plus tard, hein. Rassure-toi de l'étudier. Étudie-les très bien. Fais-moi savoir ce que tu ne comprends pas. D'accord. Merci beaucoup. Ebi. Oublie ça, on se voit plus tard, ok? À tout à l'heure. Depuis quand est-ce que tu marches avec ce garçon? Ce gars qui est reconnu pour mettre toutes les filles dans son lit. Hein? Je me demande ce que tu fais avec lui, oh. Nous ne sommes pas des amis aussi proches que ça. Dike est maintenant un mec bien, il a changé. Il n'est plus ce genre de personne. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu avec une fille du village? Il est une meilleure personne à présent. Je te dis. S'il te plaît, Béré. Écoute, tu me dis que tu n'as rien à y voir avec ce mec. Si tu n'as rien à voir avec lui, alors pourquoi est-ce que tu acceptes ses cadeaux? Et si Osai découvre que tu as un truc à voir avec ce gars, que lui diras-tu? Héberé, écoute, tu veux utiliser tes propres mains pour gâcher ce que tu as? Hey! Maintenant, tu dis qu'on a une liaison à cause des cahiers? Il m'a simplement acheté des livres avec lesquels étudier. Tu sais comment chercher un moyen d'acheter ce questionnaire depuis. Ok, hein? Peut-être que je devrais les rendre. Hein? Tu viens de dire que peut-être tu devrais les rendre? Ma chérie, tu dois les rendre. Rends-les, s'il te plaît. Écoute, ne m'aide plus. Rentre chez toi. Je vais les rendre, t'en fais pas. Je vais les rendre. À mon retour chez moi, je vais les rendre. Rosa? Eh bébé. Rosa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je lave les plats chaque jour sans me plaindre. Que tu vas les laisser sales tout le temps? C'est pas gentil, voyons. Serette, s'il te plaît, calme tes nerfs. T'énerve pas, tu sais à quel point je suis bête. Fais pas attention à moi, quand je vais rentrer, je vais le faire. T'énerve pas. Ces derniers temps, tu as décidé de cuisiner dans cette maison. La Rosa que je connais. Pour quelle cuisine? Ha! J'espère que la fin du monde n'est pas proche. Hiya! Les humains, je ne vous comprends pas. Quand on ne fait pas, vous parlez. Quand on fait, vous parlez toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu te maquilles aussi, en plus tu as cuisiné. Donc tu penses que t'es la seule à avoir l'amour dans ta vie, n'est-ce pas? J'ai aussi un amoureux. Et j'ai décidé de lui préparer un mets somptueux qui va lui faire chavirer son cœur à cause des bonnes choses qu'il fait pour moi. C'est super. Tu sais quoi, parce que tu t'en vas à un rendez-vous avec l'amour de ta vie, je vais tout laver pour toi. T'es sérieuse? Hey, merci. Hey, Ozigo, Mali. Omali Tchane. Aucun souci. Ok, t'en fais pas. Ne dure pas trop pour que maman te trouve déjà à la maison. T'inquiète, je vais juste te déposer ça et rentrer. Hey, pas de problème. Je suis contente pour toi. Merci. Dépêche-toi. Pas de problème. Félicitations. Je vais tout laver pour toi. Pas de problème. Rosa ceci, Rosa cela, Rosa.
She's a good for nothing girl. Everybody knows Rosa, hey, Rosa. Oh my God, Rosa, hey. She's a good for nothing girl. Everybody knows. Hey, hey, hey. About your son, I come, I know. About your good, I know. Hey, Rosa, if any mess or lesson. No, I put it not. Na so he be, na so he be. Oh, Rosa, Rosa, I'm a Rosa. She's a good for nothing girl. Everybody knows Rosa, Rosa, I'm a Rosa. She's a good for nothing girl. Everybody knows she's so good for nothing, girl. Oh, the only thing she know is how to flatter. She the jump from one man to the other. Her life is not in order. Hey, Rosa, slow down, no makoji, why I didn't let me run. Rosa, hey, Rosa, Rosa, hey. Oh my God, Rosa, Rosa, she's a good for nothing girl. Everybody know Rosa, Rosa, hey, Rosa, Rosa, hey. Oh my God, Rosa, hey. Rosa, she's a good for nothing girl. Everybody knows. Hey, hey, hey. Non, je vois bien où je rêve. Cynthia! 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 N'est-ce pas toi que je m'adresse? Je te parle, tu me tournes le dos. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Donc c'est comme ça ta vie. Oh, 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 oh! Pas étonnant que tu as demandé à venir avec moi ici la dernière fois. Mon ami, reviens là! Je demande qu'est-ce que tu fais là? Oh, madame! Si ta main me frôle encore, tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Oh. Si tu essaies encore, n'ose pas ces bêtises avec moi. Oh. Je te préviens. Ose encore me parler. J'ai dit, ne me teste pas. Oh. Ne me tente même pas. Laisse-moi te dire un truc, madame. Oh. Ma basse, écarte-toi de mon chemin. Eh? Si ta main me touche encore pour une seconde fois, tu ne vas pas aimer ce que je vais que te faire. Faire. Je t'aurais prévenu. Qu'est-ce que tu vas faire? I was in a bombard, on a mimakayo. The enemy, they were far away. I so tell me who to be trusted and who to attack the enemy. I owe you and I doesn't know why. This is reality, trust nobody at all. My coven, the Madonna challenger, they are never with you. This is reality, don't you trust nobody at all. The Madonna challenger, they are never with you. Onye monaya satrano, se no promo, se no guano. Someone who I call a sister. Bonsoir, la vieille. Ah, Rosa. Rosa. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? La vieille, c'est une longue histoire. Je ne peux pas parler maintenant. Quoi qu'il s'agisse, je sais que tu peux m'en parler. Pourquoi es-tu comme ça? Qui t'a fait ça? La vieille, c'est la maîtresse de mon copain. C'est elle qui m'a fait ça. Je suis allée chez mon copain pour lui apporter à manger et j'ai croisé cette idiote là-bas. Ah, Rosa. Tu es allée chez lui et tu as abattu une autre fille? Et vous vous êtes mise à bagarrer? Mais oui, je ne peux pas laisser mon mec comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Rosa, tu es une femme. Combien de fois t'ai-je déjà dit que la bagarre ne résout absolument rien? Hein? D'ailleurs, aucun homme ne mérite qu'on se batte pour lui.
Hein? Regarde-toi. C'est bon, s'il te plaît, viens te nettoyer avant de prendre ton bain. Okay, c'est bon. Maman. Ah, ah. Où est-elle? Où est cette voleuse du mari? Ah, ah. Akuna, Akuna. Ozunachi. Hein? Amuti. Qui est cette prostituée? Va m'amener Rosa. Amène-moi cette sale traînée. Ici que je lui parle. Rosa? Cette sale prostituée. Tu dis hein? Rosa? Mais qu'a-t-elle fait? Elle couche avec mon mari et gaspille notre argent. Rosa? Rosa. Je parle de Rosa. S'il te plaît, calme-toi. Fais-la sortir. Rosa! La vieille, mais j'arrive pour... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'es venu faire avec tes sales pattes dans la maison de ma mère? Oh, comme ça t'es venu jusqu'ici pour me battre, n'est-ce pas? Moi, Rosa? Madame, si tu ne dégages pas d'ici, je vais te mettre une bonne raclée comme tu chauffes. Tu sais, tu n'as aucune dignité. Maman, arrête-moi. Sale garce, tu n'as vraiment aucune dignité. Et tu oses même parler. Tu te rends compte? Écoute, hein, quand j'en aurai fini avec toi, quand je t'aurai donné une bonne leçon, tu sauras qu'on m'appelle Osinati. En fait, si tu ne laisses que pas mon mari tranquille... Hey, madame, c'est ce que je vais faire. J'ai forcé ton mari. Hey. C'est un enfant. La ferme. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Ferme-la, Rosa. Non, laisse-la. Laisse cette sale prostituée. Es-tu stupide? Laisse cette sale garce venir me parler. Laisse-la venir me parler. Voleuse de mari comme toi. Biko, s'il te plaît, calme-toi, oh. Ah, laisse-la voir. Désolée pour tout. Hey. S'il te plaît, Osinati. Amuti. Amuti. Attends, je suis vraiment désolée pour tout. Je te promets qu'elle ne s'approchera plus de ton mari. S'il te plaît, je ferai en sorte qu'elle vienne te demander les excuses. Tu ferais mieux de la mettre en garde. Je le ferai. Tu ferais mieux de la mettre en garde. Mata quoi, Dja? Biko, Biko, c'est-à-dire, si je traite ta fille, hein? Biko. Tu ne pourras pas la reconnaître. Calme-toi. Elle n'a qu'à continuer. Biko. Et quand j'aurai terminé avec elle? En tout cas, s'il te plaît, viens. Je t'ai compris. Je ne veux pas qu'une autre oreille l'entende. Fais bien ton travail. Parle-lui. Je le ferai. Parle-lui. Makantiki Rosa, il fait mes liens. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je m'en vais, oh. Mais je reviendrai. C'est bon. Je reviendrai. Biko, oh. Wayoma. Je reviendrai. Omalichawa, oh. Hey. Cette fille m'a fichu la honte. Je viens de regarder un film. Bia. Rosa. Rosa. D'accord, donc... Ok, attends. J'ai une question à te poser. Si Y plus 54 est égal à 64. Ok. Alors, qu'est-ce qui est Y? Mais c'est vraiment simple, ça. Ok, voyons. Y est égal à 64. On amène 64 de ce côté, moins 54. Alors, Y est égal à 10. Bonne réponse. Tiquez, mon pote, tiquez. Eh bien, Rosa. Tu es ici? Je ne suis pas là, Rosa. Rosa, je ne suis pas là. Donc, tu fumes. Donc, c'est ici que tu fais tes bêtises. Chaque jour, tu ne cesses de dévoiler ton côté obscur. Chaque jour. Pendant une seconde, j'ai cru que t'avais changé. Mais c'est évident que tu ne faisais que semblant. Bien, Ebere. Oh, peu importe comment tu t'appelles. Ne fais pas que je te gifle là maintenant. Ne me fais pas déverser ma colère sur toi, oh. Non, gifle-moi. Gifle-moi, Rosa. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu si légère? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est ce genre de vie que tu veux mener, Rosa? C'est bon, Ebere. Allez, c'est bon. Rosa, s'il te plaît, peux-tu arrêter la cigarette? Arrêtez quoi? Dis que non, arrêtez quoi? Attends. Qu'est-ce qui te prend de me dire ça? Non. Hein? Est injuste. Oh, parce que ma sœur est ici. Tu es devenue une mauviette. Hein? Monsieur, laisse-moi te dire un truc. Si tu ne veux plus que je vienne chez toi, dis-le-moi simplement. Je ne viendrai plus. Ça veut dire quoi tout ça?
Dike, nous allons continuer une autre fois. Mais attends, tu pars. Va-t'en. Il fallait prendre ceci pour calmer tes nerfs. Madame, je sais tout. Bien, Dike. C'était quoi ça au juste? Et puis quand tu prends le parti de ma sœur, tu la connaissais avant? Est-ce que tu avais le courage de lui parler avant? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, ne t'énerve pas, ne te fâche pas. Tu es devenue mauviette, hein? Je n'aime pas ça. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Quoi de neuf? Allez, passe-moi une cigarette. Allez, passe-moi une. Allez, prends, 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 prends. Donne-moi que je fume. T'es devenue une mauviette. Allez, viens t'asseoir ici. Pourquoi tu restes loin? Mec, ne fais plus ça. Tu sais que t'es mon poteau. Mec, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'assure. Je t'assure. Même ma sœur était choquée. Mec. Tante Berry, bon après-midi. Salut, est-ce qu'elle peut être là? Oui, elle est dedans. Appelle-la, s'il te plaît. Oublie Rosa. Dis-moi, que faisais-tu chez Dike? Et Berry, donc malgré tous les conseils que je t'ai donnés, tu ne m'as pas écoutée? Tu t'es entêtée à garder l'amitié de ce gars? Ebere, tu as vraiment changé, oh. Enke, pas écoute, pas d'Enke qui tienne. En fait, je suis furieuse contre toi. Je suis vraiment furieuse contre toi. Je ne peux plus rien entendre à propos de ce garçon, s'il te plaît. Mais Enke, je t'ai dit, il m'aidait juste avec mes cours de mathématiques. Nous savons tous les deux que je suis très faible en maths, alors il m'aidait un peu. Il t'apprenait juste les maths. Il va le faire entre tes jambes, ne t'inquiète pas. Hey. Ne sois pas comme ça, ce mec a vraiment changé. Dike est un mec inoffensif. Ebere, écoute, s'il te plaît, je ne veux avoir aucune discussion au sujet de ce gars. Ce gars de Dike, je ne veux pas parler de lui. Laisse-moi te dire, tu as oublié qu'un léopard ne peut jamais changer sa nature? Ne le sais-tu pas? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, peut-on changer de sujet? Parce que je ne veux vraiment pas discuter à propos de ce gars de Dike, s'il te plaît. Est-ce pour cela que t'es fâchée? Je t'ai dit que ce mec a changé. Crois-moi quand je te parle. Ebere, je t'ai dit que ce sujet est clos. Tu vois ce que Johnson m'a fait? Je n'ai pas du tout aimé ça. Sais-tu que Johnson a eu le culot, le toupet, le courage de me laisser planter au carrefour sans venir? Imagine, je suis restée plantée sous le soleil ardent. Ma chérie, j'étais vexée et j'avais déjà prévu d'aller manger le hikon. Tu connais le hikon? Plantain mélangé avec des feuilles et de l'huile. Mon rêve n'a pas été réalisé. J'étais si en colère. En fait, je suis en colère. Hey, ah! Cynthia. Oui. Toi et tes fausses histoires. C'est pourquoi. Où est cette idiote? Hey, je te jure sur ma vie que partout où je te verrai, ce village entendra parler de nous. Tu vois ce qu'on a commencé la dernière fois? Nous allons l'achever ici. Et maintenant, quand j'en aurai terminé avec toi, tu t'enfuiras de ce village. N'importe quoi. Laisse-toi bien te battre, oh. Laisse-toi. Rosa, le jour où mon père et ma mère m'ont conçue, elles ne m'ont surnommée fauteuse de troubles. Je ne suis pas troubleuse. Pour ça, je ne peux pas me battre avec toi. Donc, je te prie au nom de Dieu et la bouche avec laquelle tu avais l'habitude de prendre la communion à la messe et au culte. S'il te plaît, ne viens pas me battre. Et si tu veux, tu pourras aller chercher un bulldozer au carrefour que tu pourras battre. Donc, porte tes problèmes et va ailleurs avec Sao. Bon, Ndarena Basuke et Funaya. C'est raté, oh. C'est raté parce que je vais te refaire le poitrin aujourd'hui. Rosa, c'est quoi ton problème? Est-ce l'endroit idéal pour régler tes différends avec elle? Tout ce que tu fais, c'est causer des troubles et coucher avec les maris d'autrui dans ce village. Ne peux-tu pas être calme comme ta sœur Ebere? Qu'est-ce qu'il y a à te donner en spectacle? Quelqu'un vient de parler? Excuse-moi, c'est elle qui vient de dire que tu couches partout avec les hommes. Comme ça, moi, Rosa, tu m'espionnes, n'est-ce pas? Tu Tu m'espionnes? Tu es folle? Tu es malade? Celle-ci a cherché un problème. Maintenant, regarde-toi. On ne t'a pas dit.
Je m'en vais, oh. Aide-moi. 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 Mange ça. Mange ça. Mange ça. Tu es folle. La prochaine fois, tu sauras que je m'appelle Rosa. Tu vois, X est égal à 12, moins 1, est égal à 5. Dis que... 54, oui. 54, est-ce? Pourquoi ne t'inscris-tu pas dans un autre établissement, au lieu de perdre ton temps dans ce village? Si tu as peur de recommencer... Pense à ce qui arrivera quand ton oncle découvrira qu'on t'a renvoyé de l'école. Ne penses-tu pas qu'il serait mieux qu'il découvre que tu es dans une autre école, qu'au lieu de découvrir que tu n'es pas à l'école du tout et que t'es un blagueur? C'est que tu es très intelligent. Essaye d'entrer dans une autre école. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, c'est juste que... C'est rien du tout. En passant, ne penses-tu pas que tu devrais aussi t'inscrire au JAM? Oui. C'est bon, je vais essayer. Je vais essayer. C'est ça l'esprit. Qu'est-ce que je fous exactement dans ce village? Je ne fais que perdre mon temps. Je ne fais que perdre mon temps alors que mes égaux sont à l'école. Je suis rentré avec la honte, pensant que je fais ce qui est juste. Mais la plus grosse honte sera quand mon oncle rentrera et découvrira que je ne vais plus à l'école. Que se passera-t-il? Mon Dieu. Mec, écoute, écoute, au moment où je te parle, son état est vraiment critique, elle a besoin de ton aide. Oui, oui. Elle a besoin de ton aide maintenant. Comment pourrais-je te mentir? Tu es mon ami. Oui. Ouais, ok. Ok, bien, merci. Fais-je... Oui. Pour qui ce mec se prend même? Je vais te montrer.
Jésus. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais. Tike, comment suis-je arrivée là? Je ne sais pas. Tike, comment suis-je arrivée dans ton lit? Je ne sais. Je ne sais pas. Tike, tu m'as drogué. Moi? Tu as profité de moi. Tu fais semblant, tu joues à l'ignorant, Tike. Pourquoi? Pourquoi attends. Tu as fait ça? Pourquoi? Mais comment? Comment suis-je arrivée dans ton lit? Je pourquoi? Ne sais pas. Je ne sais pas. C'est moi qui devrais te le demander. Que comment? Qu'est-ce que tu m'as fait? T'es un sale chien. T'es qu'un animal. Tout le monde m'avait prévenu à ton sujet. Mais je n'ai jamais écouté. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais écouté. Je n'ai rien fait. Je te jure c'était sur ma vie. C'était ça ton plan? Donc c'était ça ton plan depuis le début, Dike? C'était ça ton plan depuis le début? Attends, écoute-moi, je n'ai... Tout le monde m'a dit que t'es un animal, mais je n'ai pas... Mais je n'ai pourtant rien fait. Ferme-la! Je n'ai rien fait. La ferme! Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis aussi confus que toi. Tu es trop stupide. Éberé, tu es stupide. Tu es stupide. Attends. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. La ferme! Je ne sais pas. La ferme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai appelé, je t'ai écrit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'évites? N'as-tu pas marre de me mentir? Comment? Non, c'est à toi de me le dire. Tu as cru que je ne saurais rien. À propos de... découvrir tu quoi? Tu as cru que je n'allais rien découvrir, c'est ta relation avec ce gars. Tu m'as menti tout ce temps qu'il n'était qu'un simple ami. Tandis que vous couchiez ensemble. Oh oui, car je vous attrapais la main dans le sac hier. Oh! Ça te surprend, n'est-ce pas? Espèce de sale garce. Je peux t'expliquer. Rien ne s'est passé. Quoi d'autre veux-tu m'expliquer? S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, je n'ai rien fait. Tu dois me croire. Je n'ai rien fait. Hé, arrête de mentir. Reste loin de moi. Reste loin de moi. Ne me touche pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu n'aimeras pas ma réaction. Tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Ne me touche pas! Écoute-moi. Crois-moi. Je n'ai rien fait avec lui. S'il te plaît. Écoute-moi. Écoute-moi. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas fait. The enemy is never far away. I so tell me who to be trusted and who to attack the enemy. I oh you are not losing the way. This is reality. Trust nobody at all. My coven the madina challenge. They are never with you. This is reality. Don't you trust nobody at all? The madu challenge. They are never with you. Onyemunaya satwana. Sinokwa mubu sinokwana. Someone who I call a sister. It's my greatest enemy. Oh, I am a colonia. A coco amo. This is reality. Trust nobody at all.
Ma copine de maintenant, challenge the alive with you. This is reality. Don't you trust nobody at all? Ebere, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-le. Dis maman, ce n'est pas vrai. Hein? Hey! Ebere. Ce que j'ai entendu, est-ce vrai? Hein? Écoute. Osa, il m'a dit qu'il t'a attrapé au lit avec Dike. Vrai ou faux? C'est vrai, j'y étais. Mais je n'ai rien fait. Mais quoi? Je ne l'ai pas fait, maman. Tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas fait quoi? Et pourquoi est-ce que tu pleures? Attends une minute. As-tu dit que tu étais au lit avec Dike? Hey! Ebere m'a tué. Tu m'as déshonoré, Ebere. Depuis quand tu couches avec des garçons? Depuis quand? Hein? Ebere, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Depuis quand? Hey! À l'OMM. Ebere, tu as chassé un homme. Un homme avec de bonnes intentions envers toi. Un homme qui voulait t'épouser. Ah. Ça s'est vraiment passé? Ou je rêve? Hein? Hey! 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 Viens. Veux-tu arrêter avec ces larmes de crocodile? Tu vas arrêter ça? Arrête! Quoi déjà? Viens, je marie. Mère de Dieu! Hein? Rosa est comme ci, Rosa est comme ça, Rosa est rebelle. Au moins, je ne le fais pas en secret, je le fais ouvertement. Chaque jour, tu étais chez Dike. J'apprends les maths, j'apprends la biologie. 1 + 1 égale à ça, t'as écarté les jambes. Tiens. Tu n'as encore rien vu. N'importe quoi. Hey, Yaïo. Ebere, la gentille fille. Je venais justement chez toi. S'il te plaît, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je te le jure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis levé et je me suis vu dans le lit avec toi. Je te le jure, j'ignore ce qui s'est passé. S'il te plaît. Ebere, s'il te plaît, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je peux te jurer sur tout ce que j'ai de cher. J'ignore ce qui s'est passé. Ebere. Ebere, allez, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi simplement, Ebere. Ebere, attends, s'il te plaît. Je t'ai dit d'arrêter de me suivre. Arrête.
arrête de me suivre. Je suis désolé. Je suis désolé. Je sais que tu ne me crois pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Crois-moi, s'il te plaît. En fait, ce n'est pas la raison pour laquelle je te suis. J'ai appris que la liste d'admission est sortie. Est-ce que tu as regardé ton nom pour voir si tu as réussi? Et en quoi est-ce que cela te concerne? Non, quoi est-ce que ça te regarde? L'admission qu'on m'a donnée n'est plus utile. Parce que la personne qui devait payer mes études n'est plus intéressée par ça. Alors merci à toi, Ticket. C'est bon, c'est bon. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis désolé pour ça, s'il te plaît. Désolé. Ok, écoute. Je suis là. Je vais payer ta scolarité. Oui, oui. Je vais payer ta scolarité pour pouvoir me racheter. S'il te plaît, même si tu ne peux pas me pardonner, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, mais ne laisse pas. Ne laisse pas ton rêve de devenir une infirmière disparaître comme ça. Ne laisse pas tout se gâcher maintenant. S'il te plaît. Ça, c'est un nouveau modèle. Non, ça, c'est un nouveau modèle, Ticket. Ticket, je ne veux rien venant de toi. Je ne veux rien. Alors laisse-moi tranquille, Ticket. Laisse-moi. Tu as dit que tu as quelque chose à me dire. Alors, vas-y, je suis tout ouïe. Monsieur, vous avez raison. En fait, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Même les conteneurs de Dangote et ces cargaisons ne peuvent pas autant peser que ça. Mais vous savez que je marche à pied depuis ce matin. Donc, je suis fatiguée. J'ai oublié une partie de ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à manger à la maison. Ou alors quelque chose de glacé pour que je boive. Peut-être cela m'aidera à retrouver ma mémoire. Et je pourrais vous dire ce qui m'amène ici. Donnez-moi quelque chose à manger. Et aussi augmenter la puissance de la clim. Parce qu'on dirait que je transpire. Je ressens l'hiver à moi. Pardon, l'été. L'été. Je transpire. Ok. Donne-moi une seconde. S'il vous plaît, de l'eau glacée. N'oubliez pas. Bien. Glacée. Monsieur.
Monsieur, ce genre de nourriture, c'est pas le genre de nourriture qu'on prépare au feu de bois. Oh. Je suis très sûre, je peux me mettre maman au feu, que cette nourriture, on l'a préparée au gaz. Parce que quand je regarde cette nourriture, je regarde sa texture. Ça, c'est le genre de nourriture que ces gens utilisent pour faire la publicité à la télé. C'est ce qu'ils mangent et ils sont en pleine forme. Toujours en forme. En fait, ce genre de personnes, quand tu te places à côté d'eux, tu peux te mirer, tu peux te regarder à travers eux. Ce sont les miroirs. Les riches, vous vivez bien. Ok. Alors, je t'écoute. Monsieur, maintenant, ma mémoire est revenue. J'ai retrouvé ma mémoire. Ok. Je t'écoute. Héberé, votre petite amie, elle est innocente. Quoi? Oga, ça vous choque? Oui, je peux lire l'expression sur votre visage. Vous êtes choquée. Elle est innocente. Rosa est celle qui a tout planifié. Oui. Comment? Rosa, mon amie, planifie et cherche un moyen de détruire votre relation depuis longtemps. Elle était jalouse que vous vouliez envoyer Béry à l'école et qu'après l'école, vous alliez l'épouser. Donc, elle a tout fait pour vous détruire. Comment Rosa aurait pu faire une chose pareille à sa propre sœur de sang? Qu'est-ce qui l'aurait poussé à faire une telle bêtise? Iem, Oga, ne dites plus ça. Elles ne sont pas les sœurs. Elles ne sont pas les sœurs de sang. Elles ne le sont pas. Rosa cherchait un moyen de détruire Béré. Donc elle est allée voir Dike, planifier avec lui. Parce que Dike était un coureur de jupons. Donc quand elle a vu que Béré a changé Dike, coureur de jupons, à un nom bien, ça l'a irrité. Elle a donc utilisé l'ami de Dike pour la droguer. Afin de les filmer et de t'appeler de venir voir. Et ça aurait l'air comme s'ils faisaient quelque chose. C'est avec mon ami qu'ils ont planifié tout ça. Il m'a tout dit, ce qui s'est passé ce jour. Attends. Es-tu en train de me dire catégoriquement que c'est un vrai commenté? Yemi Oga, je ne suis pas venue chez vous avec un chao. Je ne traite pas avec des animaux. Je ne le fais pas. Tu es sûr de ce que tu dis? Monsieur, je suis très sûr. Dans ce cas, je dois voir Héberé le plus tôt possible. Oh oui, je dois lui présenter mes excuses. Ah, oh mon Dieu. Comment ai-je pu tirer des conclusions sans lui avoir donné la chance de m'expliquer quoi que ce soit? Dans une seconde, je vais prendre les clés de ma voiture. Laissez-moi d'abord finir de manger. Héberé, je suis vraiment désolé. Écoute, c'est exactement ce que m'a dit Charity. Quand elle s'est mise à m'expliquer tout ça, j'ai eu tellement de la peine. J'ai tellement eu honte de moi-même. J'aurais dû te donner le temps. Le temps de tout m'expliquer, j'aurais dû être un peu plus prévenant. J'aurais dû te faire confiance, tout cela est de ma faute. Je suis vraiment désolé pour ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Hein? Héberé. Il a raison. Héberé, c'est Rosa, mon amie, qui a tout planifié. En fait, c'est elle qui a demandé à Charles de mettre la drogue dans ta boisson. Afin que vous planiez. Afin qu'Osai vienne vous voir. Mbok, s'il te plaît, pardonne-lui. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi Rose te ferait une chose pareille? Ebi, mon amour, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je ne suis pas ton amour. Je ne pourrai jamais être ton amour. Sais-tu comment je t'ai supplié? Sais-tu comment je me suis tuée pour t'expliquer que j'avais été piégée?
Tu ne m'as jamais écoutée. Tu m'as traitée comme une merde après tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as promis. S'il te plaît, laisse-moi S'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne touche pas. Ah bah si, Gitou, Ibala. Ne touche pas. Les sentiments que j'avais pour toi sont morts depuis longtemps. Ne dis pas ça. Il n'y a rien que j'ai gardé en moi pour toi. En dehors des souvenirs, des peines et des douleurs. Je suis désolée, mon amour. Laisse-moi. Pourquoi es-tu si méchante? Que t'ai-je déjà fait de mal dans cette vie, Rosa? Du moment où tu as mis pied dans cette maison, tout ce que je t'ai montré n'était que de l'amour. Pourquoi me rendre la pièce avec ta méchanceté? Si tu l'aimais tant, pourquoi ne pas aller vers lui et le lui dire? Pourquoi tu m'as droguée? Pourquoi? Tu n'es qu'un démon sous une forme humaine. C'est ce que tu es. Regarde ta vie. Regarde bien ta vie. Regarde ce que tu es devenue. Rosa. Rosa. Qu'est-ce que je n'ai pas fait en tant que mère? Malgré que tu ne sois pas ma fille. J'ai fait ce que n'importe quelle autre femme n'aurait pas fait pour toi. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour que tu changes de vie. Mais tu as refusé pour mener cette vie de débauche, allant d'un homme à un autre. Donc ça veut dire que tu couchais partout, sans te protéger. Sans rien. Regarde-toi. J'ai honte de toi. Je n'aurais pas dû me comporter ainsi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Donne-moi la chance de tout arranger. S'il te plaît. Héberé, s'il te plaît, écoute-le. Si tu étais à sa place, tu aurais fait la même chose. C'est dur de voir la femme que tu aimes dans le lit avec un autre homme. Oh Dieu, Kwanizi, s'il te plaît, pardonne-lui. Hein, ma fille? Maman, tu aurais dû voir comment il m'a traitée. Comme si je n'étais rien. J'ai tout fait pour l'expliquer. J'ai tout fait pour me justifier, mais je... Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, c'est pourquoi je te demande pardon. Je suis désolée. Je suis désolée. Écoute. Je ne veux pas courir le risque de te perdre. Je ne te veux plus comme petite amie. Je veux t'épouser, je te veux comme ma femme. Je veux prendre soin de toi. S'il te plaît. Je ne sais pas si je t'aimerai encore de la même manière. Je ne pense pas que tout ça sera encore pareil. Mon amour, je suis désolée. Laisse-moi. Excuse-moi. Anna Poutiala. Désolée. Je ne peux pas y arriver. S'il te plaît, s'il te plaît. Biko. Je suis désolée. Je t'aime. Biko. C'est bon, ma fille. Ça va, ok? Ça va. C'est okay. Bon. Ça va. Est-ce que tu vas me lâcher?
Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je n'arrive pas à croire que Rosa soit allée aussi loin à cause de la grosse haine qu'elle a pour toi. Hein? Mais Dieu merci. Dieu merci, je suis maintenant justifié. Je suis vraiment heureuse que la vérité a vu le jour. Mais je suis désolée de t'avoir accusée injustement. Tu sais, avec la situation, c'était dur de croire que tu n'avais pas la main dedans. Je suis désolée. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu sais, tout ça, c'est du passé maintenant, ok? Hein? S'il te plaît, c'est à moi de te demander pardon. Je suis désolé, ok? Je vois. Je peux voir que tu es une femme mariée désormais. Tu es fiancée. Alors, il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais ça va. Ça va, ça va. Je suis content de te connaître. Je suis content que tu sois entré dans ma vie et que tu m'as rendu une personne meilleure. Tu as changé ma vie. Tu as fait de moi une personne meilleure. Si tu n'étais pas là, j'aurais perdu mon temps à jouer au grand garçon, à prétendre être dans la cour des grands, alors que je perds mon temps. Merci, merci. Que Dieu te bénisse, ok? C'est bon, pourquoi tu me remercies? Non, non, s'il te plaît. Merci, merci. Merci, merci. Dieu. Non, merci à toi d'abord. Merci Dieu. Non, merci remercie à toi d'abord. Merci Dieu. Ok, remercie-moi, mais lève-toi. Alors, dis-moi, comment vont les préparatifs du mariage? Ça se passe comment? Dis-moi, parce que je dois faire quelque chose. Dis-moi n'importe quoi, je le ferai pour toi. Ok, laisse-moi acheter les baldaquins. Ah. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Je vais t'en offrir un, tu me connais très bien. Maziken, ah? Merci pour l'accueil. Non. Je suis vraiment honoré. Non. Viens, tu sais comment on le dit chez nous, non? Un crapaud ne sort pas à la lumière du jour, tu sais, pour rien. Soit quelque chose est après lui, alors il est après quelque chose. Ah, canard. Tu sais, celui qui va sous la pluie sans chaussures doit être très, 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 très prudent. Hein. Très important. Et qu'on a quoi, ok, à quoi? C'est voyez, très important. Oui. On va y aller. En fait, on n'a pas besoin de raconter toutes ces fantaisies. Bien sûr. Nous sommes trop vieux pour ça. Hein? Oui. D'allô. Oui. Mais c'est continue. Vrai, c'est vrai. Mais je vous assure, vous voyez, nous sommes assez vieux pour les fantaisies. Oh, Niago. Oui. Et là, ce qu'on dit, on le fait. Uh-huh. On devient celui qui dit. Ah, vas-y, continue. Non, nous sommes là pour une mission très importante. Mon fils s'est confié à moi et à mon frère. Qu'il a vu une belle pomme mûre et fraîche. Oui, je vous. Et il a l'intention de l'accueillir. Donc nous sommes ici pour vous consulter. Mazi Okechi. Oui, mon frère. Si je te dis que je ne comprends absolument rien à ce que tu es en train de dire, c'est que je te mens. Mais ce dont je veux savoir maintenant, c'est que de quelle pomme exactement êtes-vous en train de pointer? Vous avez une très belle pomme succulente chez vous. Et elle s'appelle Béret. C'est ça? C'est ça. Tu as raison. Je suis d'accord. Un nouvel là-bas. Amouche! Naï. Allez, vas-y, fais venir notre fille Béret. Ok. Dis-lui qu'il y a des hommes ici qui requièrent sa présence. Alors, on avait raison. Hein. Idée, 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 idée. Ah. Ah, ok, il est là. Je te jure, qu'est-ce que... Au Bécoulon, hein. Quel choix. Mon Dieu. Naoulé. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah. Elle est vraiment belle. Oui, oncle. Est-ce que tu connais cet homme? Je le connais. Bien. Ils sont venus avec tous ces présents pour te demander un mariage. Devons-nous les accepter ou pas? Acceptez-les, oncle. Hey! Hey! Bravo! 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 Naï! Oh là là! Ok, alors on peut continuer.
Eh bien, nous avons déjà... Oui, ça fait perdre du temps. Madame, mes salutations. Dallo. Bravo. Mon beau-fils. Mon beau-fils. Je suis très content. Nous formons maintenant une famille. Hein? She's a good for nothing girl. The only thing she know is how to flatter. She the jump from one man to the other. Her life is not in order. Hey. Rosa, slow down, no makoti why I think I'm melon. Rosa, hey, Rosa, Rosa. Oh my Rosa, she say good for nothing girl. Everybody know Rosa, Rosa, hey Rosa. Oh my Rosa, she say good for nothing girl. Everybody knows. Hey, hey. Abacha sana kama inoi. Abasiye guana nuko. Hey Rosa, if any nesolezo. No ya poti fena, na so ibi na so ibi oh. Oh, Rosa eh Rosa, oh my girl Rosa, she say good for nothing girl. Everybody know Rosa, Rosa eh Rosa, oh my girl Rosa, she say good for nothing girl. Everybody knows she's so good for nothing, girl. The only thing she knows is how to flatter. She the jump from one man to the other. Her life is not in order. Rosa, slow down, no makoti, why I think I'm melon. Rosa, hey, Rosa, Rosa. Oh my girl Rosa, she say good for nothing girl. Everybody know Rosa, Rosa, hey Rosa. Oh my girl Rosa, she say good for nothing girl. Everybody knows. Hey. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.
Trust nobody at all. I could be in the bad, do not tell.